What's up guys? J'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée à 3h du mat aujourd'hui. Il est 4h32 du matin. Je viens tout juste de faire ma skincare. On vient tout juste de faire mes nos valises. Et let's go pour l'aéroport. Parce que si vous n'êtes pas au courant, les daily vlogs à Rodrigue sont de retour. Parce que Rodrigue, we are back! Ok guys, je vous disais donc que on part à l'île Rodrigue pour les vacances à nouveau. Sauf que cette fois-ci, ce sera beaucoup plus court que la dernière fois. On part, donc là nous sommes mardi matin, mardi 19 septembre, c'est l'anniversaire de Fred. Donc n'oubliez pas de dire joyeux anniversaire à Fred dans les commentaires. Et on revient vendredi soir. Parce que obviously, samedi, je dois être à l'université pour mes cours. Donc voilà. Si vous me suivez sur Facebook, Instagram ou même TikTok, je pense que vous avez vu la vidéo. J'annonce à Fred qu'on part à Rodrigue pour son anniversaire. Donc il n'était pas du tout au courant. Il pensait qu'on allait partir à l'hôtel pour son anniversaire. Sauf que oui, on part à l'hôtel et cet hôtel se trouve à l'île Rodrigue. Like, yeah. So here it is, guys. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire une super intro pour vous expliquer tout ça. Je pense que peut-être ce soir, on va s'asseoir à l'hôtel et parler un peu. Mais pour l'instant, j'espère que vous êtes prêts pour le retour des daily vlogs à l'île Rodrigue, parce que moi je suis prête. Like, I'm ready. And let's make the most out of it. Alors, ici on a ma valise, et ici c'est la valise de Fred et son pull. Moi aussi, je pense que je vais prendre un pull. But here it is, we are ready. Je dois enfiler mes chaussures, like mes baskets. And yeah. Alors déjà pour commencer, excusez-moi pour la luminosité. Je viens tout juste d'éteindre tous mes équipements ici. Le LED sur mon écran ne va plus s'allumer parce que j'ai éteint toutes mes prises, vu qu'on ne sera pas là pendant quelques jours. Et là, je vais juste enfiler mes baskets. J'ai totalement oublié de ramasser mon trépied. So I need to do this. Sur le trépied de ma caméra. Franchement, j'ai hyper hâte de retrouver mes abonnés de l'île Rodrigue, mes amis, mes connaissances. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire des porte-clés cette fois-ci, comparé à la dernière fois. Mais mon plan, c'est que du coup, je vais essayer d'acheter des chocolats au duty free. Comme ça, je pourrai partager les chocolats si jamais je croise des abonnés. But yeah, I'm really, really excited. Honnêtement, je pense que je ne réalise même pas qu'on est sur le point de prendre l'avion pour partir à Rodrigue. Ok, je ne réalise pas, honnêtement. Birthday boy. How are you feeling? Are you excited? Moi aussi. Bon, on a fini d'amasser toutes nos affaires. Donc ça, c'est le sac de Fred. Et ça, c'est mon sac. Et on a nos valises qui sont juste devant nous. On vient tout juste de fermer nos valises. We are ready to go. Très, très tôt le matin. Très, très, très tôt le matin. Ça Genre fait quoi, vraiment. attends? Ouais, il fait frais, hein? Heureusement, j'ai pris un petit pull. On vient tout juste d'arriver à l'aéroport. Il est 6h04. Je vais vous dire, hier on n'a pas vraiment eu sommeil parce que bah, du coup on était excités. Parce que bah, on n'avait pas de sommeil aujourd'hui. Et maintenant je commence à avoir sommeil. Je pense que dans l'avion je vais essayer de voir s'ils ont des bouchons d'oreille. Parce que la dernière fois j'ai eu hyper mal au crâne après le vol. Donc on va essayer de trouver des bouchons d'oreille. Ok. It's a little bit later, on a enregistré nos bagages et là on est venu prendre un petit truc à manger chez Paul. Pour passer l'immigration, on doit attendre environ 45 minutes. Donc on est venu prendre un breakfast parce que ce matin on n'a rien mangé and we are so hungry. J'ai pris, enfin on partage un sandwich à deux. Fred a pris une boisson gazeuse et moi j'ai pris un chocolat chaud. Tu as dit que c'est un jus gazeuse? C'est pas un jus, c'est une boisson gazeuse. Ok,
Ok guys, it's much later, il est 10h34 et le vol a été horrible pour moi comme la dernière fois. Dès que je suis descendue, j'avais hyper mal au crâne, il n'y avait pas de bouchon pour les oreilles sur l'avion. But it's alright, je vais essayer d'en trouver en pharmacie ici. On va essayer d'en trouver pour le retour parce que vraiment, c'est le seul bémol. Like vraiment, l'avion fait beaucoup de bruit et du coup, pendant 1h30, 1h45, genre juste d'entendre le bruit de l'avion comme ça, moi, ma tête explose en ce moment. On vient tout juste de récupérer la voiture, donc la dernière fois, on était dans un 4x4 et cette fois-ci, nous sommes dans une Nissan Qashqai. Et je vais quand même vous expliquer tout ça à l'hôtel. Il y a quand même une histoire sympa autour de cette voiture, so stay tuned, guys. Mais on vient d'arriver, j'ai pas beaucoup vlogué à l'aéroport parce que justement, j'étais en train de me remettre de mes émotions par rapport au vol. J'ai dormi pendant le vol, pendant un bon moment j'ai dormi parce que j'avais hyper mal au crâne et en même temps j'étais fatiguée, mais j'ai pas beaucoup vlogué. On a eu un contrôle cette fois-ci, on a fait scanner nos valises en arrivant, on était les derniers à sortir du duty free. Ouais, c'était fait exprès, pas c'est nadie. Mais c'est ça, et moi je sentais ça venir, je savais qu'ils allaient scanner nos valises. Et vous savez, j'ai ramené des produits de Charlotte Skin pour Shelly, enfin pour quelques amis à Rodrigue. Et le monsieur là-bas, il était là à dire, ouais ben qu'est-ce que vous avez dans vos valises comme ça? Des vêtements, après je vois des petits pots, etc. Et on était là à l'expliquer que c'est des scrubs pour le corps, pour... It was so funny. Like, limite à un moment donné, je commençais à rire parce que j'étais juste là. C'est littéralement des scrubs, monsieur. Je ne transporte pas de drogue sur moi, c'est des scrubs. Et là, on part à l'hôtel, on part au Tecoma. Et vous savez, hier, j'ai dit. Merci, bonne journée. Hier, j'ai dit à l'équipe du Tecoma qu'on allait arriver vers 9h45. On a eu un petit retard par rapport à notre vol, en vrai. Donc, it's a bit later. But it's alright. No pressure. We are on holidays. Holidays égale no pressure. Puis voilà quoi. Ah, et l'atterrissage était un peu compliqué. J'ai le micro, je sais pas. Ouais. L'atterrissage était un peu compliqué. Il y avait un peu de turbulence. Mais voilà. It was alright. Et vraiment, là, tu fais Miss Shelly. Là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment Miss, hein, Miss Shelly, hein. Ben... T'as vu, un bien... La vue m'a manqué. Hein? Cette vue-là, comme si. Ouais. Juste là, tu regardes cette vue-là, tu as plus de problème dans la vie. Quel problème tu as dans la vie? Tu as pas de problème. Hey, une Jimny. Bien cocasse. Couleur sable, comme j'aime. On vient tout juste d'arriver au Tecoma. Et franchement, cette vue m'avait manqué. Ah là, je suis trop triste en vrai. Vous savez, on fait une seule nuit au Tecoma. Enfin, je vais vous expliquer tout ça ce soir, mais on fait une seule nuit au Tecoma et ensuite on va bouger à. Autant d'antan. Donc comme la dernière fois, on commence notre séjour au Tecoma et ensuite on bouge à autant d'antan. Mais de base, je voulais faire quelques nuits au Tecoma. Mais ils n'ont pas de place. L'hôtel est rempli. Ce qui explique pourquoi bah, j'ai eu une seule nuit. We are back. Tu vois, c'est deux. Il y a un couple là-bas là qui font concept. Moi aussi, je vais être comme ça. D'arriver. Merci beaucoup. Les chapeaux cadeaux pour vous. Je fais une collection à la maison. Vous. Et puis l'accueil 100 en cas de besoin. Ok. Bouteille d'eau en place tous les jours. Okay. Et puis on a un petit café. Si vous voulez un petit peu plus de thé ou café, vous
nous appeler. Sans problème, merci beaucoup. Merci, vous en prie. Merci. À plus tard. Ah, attendez, je vous donne ça. J'ai un petit chocolat, si vous pouvez juste partager avec l'équipe de ma part. Merci. Pas de soucis. Merci à vous. We are back. We are back. On fait une seule nuit ici. Passe-moi le sac. Ouais, tu vas mettre les chocolats au frais. Ouais. Ok, je vais prendre une boîte avec moi parce que je sais pas si je vais rencontrer les abonnés. On se redirait pas. Ouais. J'ai acheté deux boîtes de Ferrero comme ça, deux grosses boîtes pour partager avec les abonnés au cas où que. Ouais, Fisher Junior. T'es un peu bouquée encore. J'ai pris pour les parents d'Angelina, pour ouais. ton ami et pour autant longtemps. Ouais, on est resté en quatrième. Quatrième, ça veut dire c'est pour. Enfin, c'est sur ma liste. Ouais. Je sais pas encore. Donc, on a une petite lettre de bienvenue. Madame Makuna. L'équipe de Tecoma Boutique Hotel se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Nous espérons que votre séjour parmi nous sera le plus agréable. Very, very nice. I really like it. On vient juste de faire notre check-in au Tecoma, guys. Et je ne pense pas que j'aurai le temps de vous parler parce que finalement, on était censé arriver à l'hôtel à 9h45. Et là, il est presque 11h si je ne me trompe pas. Il est presque 11h, donc on va juste bouger. Oui, il est 11h30. Il est 11h30, donc là je pense qu'on va juste bouger à Pau matin, on va partir manger. Vas-y. Oui, c'est différent. Comment ça va? C'est différent. Ah oh, ouais, c'est beaucoup plus joli ici, la bégo. C'est quoi ça? Il y a une pièce. C'est pas cette pièce. Attends, j'enlève ma caméra quoi. Au moins, si on meurt, il y a des preuves. C'est quoi cette pièce? Je sais pas, mais elle fait mieux, elle sort enfin. Oh, c'est le dressing comme ça. Pourquoi il y a une porte au fond? La dernière fois, on n'avait pas un grand dressing comme ça. Vas-y, ouf. Toilette. Ah ouais, c'est une toilette. Hein? Non, c'est une porte dans une. Je crois que ça tombe. Ok. Bon, on a un dressing. On n'avait pas un dressing la dernière fois, on a un dressing. Et du coup, l'espace où il y a la baignoire est beaucoup plus que. Je sais pas, je trouve beaucoup plus joli que la dernière fois. C'est beaucoup plus petit, mais avec l'aube et tout là, it's giving. Même les trucs, c'est son plus. Waouh! Ouais. Les autres là-bas, ou une petite fenêtre là. Ouais. Et c'est plus grand, genre. C'est... Mais celle-là, je trouve mieux. Elle est plus, une fois plus grande que ça. Parce que tu vois quand même un espace là, et un espace pour là-bas. Mais sauf tu n'es pas là-bas. Je pense que là-bas c'était une pause sur le maintenance. Peut-être. Ok guys, I'm back. Donc là, j'ai préparé un petit sac à dos parce que bah, je ramène des chocolats au cas où que je croise des abonnés. Et on va juste partir manger à Pau Maturin chez Le Pêcheur du Nord. On va peut-être aussi prendre un dessert sur Pau Maturin. Bah tiens, il fait chaud. It's really hot. Mais vraiment, cette vue là, ça m'avait trop manqué. C'est trop trop beau quoi, Tecoma. C'est vraiment vraiment très très beau. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on a eu une super chambre. La dernière fois, on était sur une chambre qui n'était pas très loin de leur restaurant. Là, j'avoue qu'on est quand même un peu loin. Mais la chambre est très très belle. It's very, very nice. Et puis voilà quoi, j'ai hâte d'être au dîner ce soir. Et ce soir, je pense que je vais prendre deux desserts. Parce que si jamais vous venez au Tecoma et que vous aimez les cheesecakes et les bananes, ils ont un cheesecake à la banane. Bon, j'espère qu'ils font toujours le cheesecake à la banane. Ben, ce soir, je pense manger le dessert qui est prévu dans le menu du soir. Mais je pense aussi manger un cheesecake à la banane. Because you know what? We are on vacation. So we're gonna eat. Demain aussi, demain, je pense prendre un cheesecake à la banane pour le breakfast. Je pense prendre un cheesecake à la banane pour le lunch. I'm not joking. Like, hear me out. I'm not joking.
Ah, trop trop beau. Au moins cet après-midi ou demain matin avant de partir, je veux profiter de la piscine parce que la dernière fois, j'ai pas profité de la piscine. Like, hear me out. La dernière fois, j'ai profité de la piscine, mais pas assez. Donc, voilà. By the way, here's the car. Regardez bien la voiture parce que ce soir, je vais vous raconter une story time par rapport à la voiture. Cette voiture sent trop bon. C'est ce truc-là, là. Je vais acheter ça pour mettre partout. Parce que ça sent trop trop bon. Content d'être de retour, t'es comment? Bah oui, je suis content d'être de retour. En arrivant, on a eu un petit jus limon là. Bien frais comme on aime. Pour fouetter le sang. Fouetter le sang. Laissez-moi vous dire qu'il fait hyper chaud, mais j'ai trouvé mon chapeau. Dès que je pars pour Maturin, ma première mission c'est toujours de trouver un chapeau. Donc j'ai réussi à trouver ce chapeau. Et en plus, comparé à la dernière fois, il y a même une petite. Enfin, un petit ruban pour pouvoir l'attacher. Donc that's nice parce que mon autre chapeau, qui est à la maison du coup. Il n'y a pas ce petit ruban et à chaque fois il s'envolait. But yeah! Là on va juste partir manger chez le pêcheur Juno. Let's go and eat. Parce que j'ai très très faim. J'ai très 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 faim. Et puis voilà quoi. On est arrivé. Salade pêcheur Juno, poulet croustillant, salade. Voilà. Oui, nous les mangeons tout ce qui est là, là. Pour moi, un crabe beurre d'ail avec frites et salade, s'il vous plaît. Et comme boisson, pour moi, un Coca-Cola, s'il vous plaît. Toi, tu veux quoi? Crabe beurre d'ail, chips et salade. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Miam, miam, miam. Ouais, c'est bon. Je crois que les crabes sont gros. Ça coûte plus que la dernière fois. Elle avait dit que ça dépend du grammage. Tu penses que tu vas avoir du travail? Donc les crabes sont big, big. Rien que la dernière fois, c'était big. Maintenant, j'imagine à quel point c'est big. J'ai tellement faim. Il y a des entrants, les maritons. Le petit gajak, là, le petit beignet. Oups, il y a un monsieur, là. Je cache le monsieur. Ce crabe, il m'a mis KO. KO. Un petit feedback sur ce crabe? Crabe, très bon. Mais le crabe a gagné. Il est trop costaud, le crabe. Merci beaucoup. C'est gâté. Hein? La musique là, en fait. Le crabe m'a tellement coupé, j'étais loin, j'ai même pas réalisé, il y a un gâteau qui arrive, j'ai pas réalisé du tout. J'ai une noix. C'est bon. Oui, j'ai acheté un petit chocolat pour vous en arrivant. J'ai aussi un cadeau pour vous dans la valise, mais j'ai pas encore ouvert ma valise. Mais vendredi avant de partir, on va revenir manger. Yeah, yeah, la partager avec l'équipe. J'ai même pas entendu la musique joyeuse anniversaire, j'étais loin là moi. Oui. Après ce crabe, j'étais loin dans mes pensées. C'est bien bon, bien fait. Ouais. Non, c'était vraiment hyper hyper bon la salade aussi. Waouh, trop bon. Je viens manger. Mais non, vous inquiétez pas. Et Coralie m'a dit de venir. Ouais, non, mais ne vous inquiétez pas. Il y avait quelqu'un qui est venu avec. Merci d'avoir pensé. Non, comme d'habitude. Je vous ai dit, dès que je viens ici, le premier endroit où je viens manger, c'est ici maintenant. Ouais. Et c'est ça, non, madame. Hey. Bonne bolum, là, pareil, ça. C'est tout long, madame. Non, 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 non. Blague elle, hein? Allez, donc envie de Maurice, fais-nous connaître, c'est bon. Ok, guys, I'm back. Donc, on est parti manger chez le pêcheur du Nord. And let me tell you something, j'arrive à peine à mâcher. Un gros toutou, ça. T'as vu? Un gros toutou. Et du coup,
On la porte, c'est où, là? Là, dedans. Dedans? Et du coup, on saute du restaurant Le Pêcheur du Nord à Port-Mathurin. It was amazing, on a bien mangé, limite j'arrive à peine à mâcher en ce moment. Ils ont fait une petite surprise à Fred, donc Fred a eu un petit gâteau, comme moi la dernière fois en vrai. Franchement c'est des gens hyper sympas, tellement bienveillants, et ça m'a fait plaisir de les revoir quoi. Et donc là on retourne à l'hôtel, on va juste chill un peu pendant toute l'après-midi. Et puis voilà, parce qu'on est KO. De base, on voulait partir manger un dessert chez Amélie. But let me tell you something, on a trop mangé. Ouh. Ok guys, it's much later, je ne sais pas exactement il est quelle heure, il doit être 4h ou 5h environ. Mais on est rentré à l'hôtel, on a chill un peu, on s'est fait couler un bain chaud un peu plus tôt, it was really, really nice. Et là on va juste se poser devant la piscine en buvant quelques mocktails or something like that. Et voilà quoi, on va juste chill. Et là j'ai mis un bikini blanc, j'ai mis un petit pareo bleu. J'ai mes petites sandales aux pieds. Et voilà, on va essayer d'avoir une petite photo sympa devant la piscine en même temps. You know what I mean? Je dois prendre mes lunettes de soleil. And we are ready to go. Like, you know. Attendez, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une petite seconde. C'est good comme ça pour moi? You look great. Tu peux me laisser ça là pour moi? Yes. Thanks. Alors quand je prends le photo, je le retire sur le truc. Ouais, ouais, tu retires ouais. Sur. Je retire en portrait ça ou en landscape? En lens, portrait. Alors je dois vous avouer qu'il ne fait pas hyper beau. Je m'attendais à un petit sun kiss, un petit sundown. Mais depuis ce matin, apparemment, le temps est très très venteux. Il y a des houles de 4 mètres à Kiev. Juste avant de rentrer, on est passé voir nos amis de Roderick Tourisme. J'ai fait une petite distribution de chocolat. Of course, spreading good vibes. Et ils nous ont dit justement que le temps n'est pas très fameux aujourd'hui. Donc voilà. Mais en même temps, c'est pas le déluge. Donc on peut pas dire qu'il ne fait pas beau. C'est pas le déluge. It's still pretty nice. Alors, how was your birthday? Mon birthday? Bah, c'est un birthday exceptionnel avec mon bébé. Parce qu'on a mangé des crabes plus gros que nos têtes. Je m'attendais pas du tout à ce que les crabes soient aussi gros. Genre limite, c'était hyper impressionnant. Ouais. J'ai pris quelques séquences pour un TikTok. Should be nice. Et ouais, encore une fois, merci Pêcheur du Nord pour... Yeah. Enfin, pour tout. Même pour le petit gâteau, pour l'attention. Oui. Aïe, trop gentil, trop gentil. Enfin, ce soir, on se retrouve pour le débrief. On va vous raconter un peu plus notre journée en détail. C'est gâteau en mousse. On avait des goûters. Ouais. Le velouté, alors pour moi, s'il vous plaît. Oui. Pour moi, un cocktail de fruits. Ok. Et dites-moi, est-ce que je pourrais avoir une petite assiette avec quelques fruits coupés? Oui.
Parfait, merci. Et on sera devant la piscine. Merci, merci beaucoup. 17. Parfait, merci. Ok. Hey guys, il est 17h26. Et en grosso modo, comme vous avez pu le voir, on s'est dit qu'on allait partir se poser juste devant la piscine au calme. Mais le temps, vraiment, il fait quand même un peu froid. Donc on est venu juste à côté du resto. Il y a un petit espace comme ça où on peut s'asseoir. It's really pretty. Et on a pris quelques fruits pour manger. On a commandé quelques mocktails. And we are just waiting for it. Et puis voilà quoi, je voulais faire de super photos devant la piscine, mais la luminosité est à chier. Mais je pense que demain matin, je vais me réveiller un peu tôt et faire quelques photos. So it's alright. Merci beaucoup. Merci. Café maintenant, Rodney. Rodney. Chef Agathe, la même chose dit. Non, chef Agathe, mon big student. Oh, que du pétrole. La Ligue avec la France. Oh. Wow, ok. Là, qui chef peut remplacer? Chef Agathe. Allez, ah, ok. Hey guys, I'm back. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en train de manger des fruits et de boire un mocktail. And I'm back. Et pour tout vous dire, je suis un peu fatiguée. Parce que voilà, le matin, on a dû se réveiller hyper tôt pour prendre l'avion. Et dans l'avion, avec le bruit, etc., j'avais un mal de crâne, mais juste inimaginable. Enfin bref, I'm just really tired. Et vous savez, c'est l'anniversaire de Fred aujourd'hui. J'avais prévu de mettre une super jolie robe rose. Mais laissez-moi vous dire qu'il fait hyper froid et j'ai juste envie d'être hyper comfy. Donc je porte cette tenue, donc cet ensemble. Je porte mes petites savates roses au pied. Et je pense que je vais aussi prendre un petit sac rose. J'ai ramené toute ma skincare pour pouvoir faire ma skincare justement. Give me one minute, j'ai besoin de coton. Les cotons sont dans ma valise. Donc il n'y a pas. Quoi? Non, je parle dans le vlog. Je disais que j'ai essayé de ramener la plupart de mes produits skincare. Il y en a certains que j'ai pas ramené. Mais je pense que j'ai ramené l'essentiel. Et voilà quoi, j'ai l'impression d'être KO les gars, vraiment d'être KO. On va essayer de profiter un peu du soleil demain matin au Tekoma avant de partir à autant d'antan. Quand on est sorti du resto, donc on était justement en train de manger des fruits et boire des mocktails au restaurant. On a vu le menu de ce soir et le menu de ce soir, il est vraiment bien. It looks great. Donc j'ai vraiment vraiment hâte. J'ai vu qu'il y a... J'ai vu un truc là, j'ai oublié qu'est-ce que c'est, mais il y a un truc que je voulais absolument manger. C'était quoi le dessert que tu aimais ici? C'est quoi? La crème brûlée. La crème brûlée. Au Combaba, right? Ouais. Ouais, c'était la crème brûlée au Combaba. Genre je me souviens que quand on est venu justement pour mon anniversaire l'année dernière, Fred et moi, on passait notre temps à recommander ce dessert pendant les derniers jours. Donc moi, je mangeais le cheesecake à la banane et Fred mangeait la crème brûlée au Combaba. C'était vraiment les seuls trucs qu'on mangeait niveau dessert. Mais sinon, en soi, on a passé une super journée. Une super, super journée. On a même pu rapidement voir Shelly. Et je vous disais que j'ai une histoire à vous raconter par rapport à la voiture. Donc la voiture qu'on a pendant notre séjour, c'est du coup une voiture qu'on nous a prêtée. On n'a pas eu à louer une voiture et c'est vraiment une longue histoire. Like it's just a fun story. Et quand je pense à cette histoire, je pense vraiment à cette phrase qui dit que quand tu es là avec tes bonnes intentions et que tu projettes genre des bonnes intentions, de bonnes ondes autour de toi, je peux pas vous expliquer, mais tout ce que tu fais, que ce soit positif ou négatif, revient tôt ou tard vers toi. Genre toute l'énergie que tu projettes dans ce monde revient vers toi, que cette énergie soit positive ou négative. Et je sais que j'ai pas mal de retard pour les vlogs. Je ne pense pas que j'ai vlogué cette journée, mais récemment il y avait des étudiants rodrigués qui sont venus à l'île Maurice et je les ai invités à passer une petite journée avec moi.
Donc, que ce soit les étudiants ou les profs qui accompagnaient ces étudiants, ils sont venus passer une petite matinée, on va dire ça, avec moi. On a joué au bowling, on a mangé, we were just having fun, et ça m'a juste fait plaisir de passer une journée avec eux. Et vraiment, quand j'ai fait ça, je ne m'attendais absolument à rien. C'est juste que, par exemple, à l'île Maurice, on a lancé le parrainage scolaire chaque année. On va dire que chaque année, j'essaie quand même d'aider des étudiants qui ont besoin d'aide pour acheter leurs livres scolaires, etc. Et pour moi, là, c'était juste l'occasion d'en faire de même pour les étudiants à l'île Rodrigue et de les offrir une petite journée sympa parce que le voyage avait pour but de découvrir un peu l'île Maurice. Et voilà, on a passé une petite matinée au calme, à jouer du bowling, it was so fun. Il y avait même un des étudiants qui a fêté son anniversaire, like, vraiment like just good vibes. Et je me souviens qu'il y a un truc qui m'a vraiment touchée, c'est que l'étudiant qui fêtait son anniversaire, ils ont fait un vidéo call avec sa maman et j'ai vu la maman en train de pleurer de joie. Et ça m'a vraiment touchée, genre vraiment ça m'a touchée, mais un point inimaginable, guys. Et justement, quand j'étais en train de préparer la surprise pour l'anniversaire de Fred à Rodrigue, obviously on avait besoin d'un véhicule pour pouvoir circuler, voilà. Voilà, on avait besoin d'un véhicule. Et donc Fred, il a le contact de la personne qui nous a loué son 4x4 la dernière fois. Mais je ne pouvais pas demander à Fred le contact. Donc j'ai contacté Shelly et j'ai dit à Shelly que du coup j'ai besoin de ce contact, si elle pouvait juste chercher le contact de cette personne parce que je sais qu'elle connaît cette personne. Et peu de temps après, Shelly m'a dit qu'une des profs qui était présente pour cette sortie scolaire, etc., avec les étudiants Rodrigue à l'île Maurice, elle m'a dit qu'une des profs voulait me parler. Et c'est là que cette prof m'annonce qu'elle va me passer sa voiture. And she was like, don't worry, inutile d'aller louer une voiture, je vais te passer une voiture. And that's just so kind, like insane. Genre vraiment, quand j'ai fait cette sortie, etc., je ne m'attendais absolument à rien. And I'm just really grateful. Genre grateful de rencontrer des gens comme ça. Des gens qui voilà quoi. Je ne m'attendais clairement pas à ça. J'ai eu tellement de facilité pour organiser ce voyage. Là, maintenant, je vais essayer de me poser, de vous parler un jour. Et j'ai eu tellement, tellement de facilité pour organiser ce voyage. And it's insane. Et moi, je me dis que c'est ça. C'est que tout ce que tu donnes, tout ce que tu projettes, tôt ou tard revient vers toi. Voilà la petite histoire, on n'a pas dû louer une voiture ou quoi que ce soit. Donc merci beaucoup à Karine, si tu regardes ce vlog, like, thank you so much. I'm really, really grateful. Et j'ai même ramené des petits cadeaux pour elle. Justement, je dois partir, enfin on n'a pas encore donné des cadeaux à qui que ce soit, les cadeaux sont sur la table devant. Donc tous les cadeaux sont sur la table devant. Je pense que ce soir on va partir déposer quelques cadeaux chez un très bon ami à Fred qui habite à Rodrigue. Donc voilà, on va partir déposer des cadeaux là-bas et ensuite peut-être demain on va essayer de rencontrer Karine et Shelly pour les donner les petits cadeaux que j'ai ramenés. I hope they will like it parce que du coup j'ai aussi pris des produits de Charlotte Skin. Déjà je sais que Shelly elle aime Charlotte Skin parce que elle suit Charlotte sur Instagram. Et ensuite, j'ai demandé à Shelly qu'est-ce que je pouvais justement ramener pour Karine. Et elle m'a dit que Karine aime bien tout ce qui est skincare. Et je pense que c'est vraiment cool de les faire découvrir les produits de Charlotte. Parce que moi, j'adore la marque de Charlotte. Et toutes mes amies qui ont testé les produits de Charlotte, they just love it. So, yeah, here it is. Je vais rapidement mettre mes boucles d'oreilles. Et on va partir manger. Let's go and eat. Because like, I'm so hungry. Et là, je vais juste porter ces magnifiques boucles d'oreilles que j'ai trouvées en ligne. They look so bomb. Et si je ne me trompe pas, c'est... Il y a des boucles d'oreilles similaires d'une marque de luxe. Avec maman, je ne me souviens pas vraiment de la marque. Si je me souviens, je vais mettre l'original ici. But these are perfect dupes de ces boucles d'oreilles de luxe. Non, c'est pas... Enfin, il y a une différence entre une copie... Enfin, comment on dit ça, là? Une imitation? Ouais, mais c'est pas une imitation, c'est un dupe. Genre, il y a une grande différence entre une imitation et un dupe. Une imitation, c'est quand... Genre, ils vont prendre le nom de la marque, ils vont mettre... Quoi? Comme ça? Ouais. Imitation, c'est vraiment quand ils vont prendre... Tu vois, imagine un sac Jacquemus. Tu vois, imitation, c'est vraiment qu'ils ont mis la marque Jacquemus dessus. Oh. Alors qu'un dupe,
comment dire ça en français. Pour l'instant, le mot est là en anglais. Mais un dupe, en gros, c'est que le modèle ressemble à l'original, mais qu'il n'y a pas le nom de la marque ou quoi que ce soit, le packaging. Like nothing. And look at this. It's so cute, right? Je pense que je vais garder mes cheveux un peu derrière, comme ça, ce soir. Genre juste pour qu'on puisse voir un peu mes boucles d'oreilles. Et ça aussi j'ai trouvé ça en ligne. Si je retrouve les liens, je vais vous laisser les liens dans la barre d'infos. Mais j'ai trouvé ça en ligne. And it's so cute. Dites-moi que c'est pas cute comme barrette. Like, look at this. So, so cute. Je l'ai en 3 couleurs. Donc, je vais juste attacher mes cheveux un peu. Here it is. Here's how it's going. J'ai fait ma skincare. You know, I don't play with my skincare. Genre, j'ai reçu une question sur Instagram récemment. On m'a dit justement si ça m'arrive de rater ma skincare. Genre, le matin ou le soir, des fois. Like, no. I don't play with my skincare. Genre, même si j'ai la flemme, même si je suis déjà au lit et que je réalise que j'ai oublié ma skincare, je vais me lever et passer faire ma skincare. Donc, voilà, voilà. Now, let's go and eat. Bah, les moques de les références. Genre, ton haut vient là-bas. Oh, mon haut vient de Fashion House. Mm-hmm. Mon jean de Levi's. Et mes Vans de All Sports. Parfait. Hein? C'est bon. Oui, c'était bon. Ouais, Levi's. Levi's, ouais, Levi's. Je sais pas comment on prononce la moque, mais c'est cette moque du jean. Levi's. Regardez les boucles d'oreilles, comment ils sont belles, right? Right? These are dupes. Dehors? Ici. Oh, wow! Merci. Wow! Ils ont fait un setup de malade. Très romantique, hein? Très, très romantique. Les gens peuvent croire qu'on est en honeymoon. Merci. Alors, laissez-moi vous montrer le setup qu'ils ont fait sur la table. C'est un setup de malade. Alors, comme boisson, on a pris un Sega Tambour, un de nos mocktails préférés. Et là, on vient de recevoir du pain. Et si vous avez regardé les derniers vlogs, Rodrigue, vous le savez à quel point j'adore le pain du Tacoma. Because it's like homemade and it's so, so good. Demain, je vais manger plein de pain. Si je pouvais avoir ce pain-là. And just eat like at home every day. Ok guys, donc là nous sommes à l'étape du dessert. Fred a pris une crème brûlée et moi j'ai pris une panna cotta. Ça va? J'ai pris une panna cotta. Attendez, laissez-moi vous dire exactement qu'est-ce que c'est. C'est une panna cotta de coco, coulis de fruits variés, crumble au chocolat et pommes rôties. It's really nice, really, really nice. Comme vous le savez, je voulais aussi manger le cheesecake à la banane, sauf qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc j'espère que demain, avant de quitter l'hôtel, je pourrai en avoir au moins pour le déjeuner. Mais ça là, la panna cotta coco, it's really, really good. Like, really, really good. C'est moi, la caméra pour le sang, vous en avez. Le score 72, mon Dieu, 72. Voilà, il a son bon anniversaire. Merci bon beaucoup. Merci. Bravo. Tu savais moi, tu étais pas qui quittait la musique. Tu savais? Eh bien, pourquoi? On déjà entend que tu vas te lever, pour pas être chien. Mais quand même, il y a une bonne affaire. Non, je te voyais, enfin, je t'ai pas vu. Je t'aime. Moi aussi. Je veux que tu sois l'homme le plus heureux au monde. Tu as peut-être l'homme le plus heureux. Je t'aime aussi. Juste après le dîner, on est rentré dans la chambre et on a vu que l'hôtel nous a déposé une bouteille de champagne et quelques fruits. On a mangé les mêmes fruits un peu plus tôt.
Like, that's really nice. Donc, merci beaucoup à l'équipe du Tecoma. Je pense que c'est par rapport à l'anniversaire de Fred, etc. That's so cute. We really appreciate it. Franchement, that's really, really cute. On apprécie vraiment. Really grateful for that. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que le gâteau, j'étais au courant. Donc, le gâteau, on m'avait déjà prévenu que voilà, il allait avoir un gâteau et tout. Mais le champagne, en rentrant dans la chambre et tout, it's a vibe. I really like it. Non. Non, je parle de ça. Oh, merci à toi, bon. Merci à l'équipe du... Ah, merci à l'équipe du Tecoma pour la petite attention et... Voilà, merci beaucoup. Juste en train de recouvrir les fruits à nouveau parce que on va peut-être sortir. La dernière fois qu'on était venu à Rodeuil, on n'est pas vraiment sorti le soir. Mais là, on va peut-être sortir. Et du coup, je veux garder les fruits. Parce que laissez-moi vous dire que justement, j'ai mangé des fruits un peu plus tôt. La petite assiette de fruits là, elle m'a coûté genre quoi, 250 €. Ouais. Un truc comme ça. Donc laissez-moi vous dire que je veux garder mes fruits là, les fruits qu'on m'a offerts, enfin, les fruits qu'on nous a offerts, je veux les garder parce que je sais que demain j'aurai envie de manger des fruits. On va faire un petit tour. Est-ce que je vous emmène avec moi ou pas? Listen, s'il se passe un truc sympa pendant ce petit tour, je vais vlogger. Mais s'il ne se passe rien, je ne vais pas vlogger. Et on se retrouve dans le prochain daily vlog à Rodrigue, quoi.